Non, non. Il a dit, il veut pas que c'est qu'il a dit, ça puisse entrer dans la vidéo. Oui, père. C'est Lunga. Il est déjà là. Séjour à Paris et voudrait bien s'entretenir avec vous. Comme vous le savez, Koffi Olomidé, notre grande vedette de la musique africaine, est en séjour à Paris où il est venu pour la cérémonie rendre hommage à son papa, le défunt Charles Agouépa, et profite de son séjour pour rencontrer les familles, les fans et amis et connaissances. Vous êtes là comme proche de Koffi Olomidé. Tout ce que nous demanderons pour ce point de presse, de l'écouter et surtout de vouloir comprendre son approche par rapport à nous tous. Koffi nous aime, Koffi vous aime et Koffi nous aimera toujours. Son talent, son intelligence et sa bonté, parce que c'est un homme à grand cœur, c'est la raison pour laquelle nous le soutenons juste à ces jours. Malgré ce qu'ils nous disent d'être contre ce qu'il produit comme effort pour nous plaire au quotidien, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort Monsieur Koffi Olomidé. Mes amis, merci, bonjour, merci infiniment, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux de ce que vous ayez consacré votre temps à venir me rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue, même si vous n'êtes pas chez moi, ou même je suis aussi invité quelque part, parce que l'organisation est un peu M. Kinata, le maître des lieux. Je vous remercie du fond du cœur. Je tenais à
à vous montrer la considération que je vous porte. Vous qui êtes venu de la Suisse, je reconnais des amis d'Abidjan, j'ai même vu des amis de Kinshasa derrière. Donc, de partout d'où vous venez, soyez les bienvenus et soyez vraiment, trouvez ma gratitude. Je suis très heureux de me retrouver en France. Je suis heureux parce que le public, les cofifils en France m'ont manqué énormément. Je sais que je leur ai manqué aussi. Alors que j'étais en train de faire mon travail partout, dans tous les pays, je suis allé, vous êtes au courant, je suis allé dans toute l'Afrique pendant ces 9-10 ans, mais je n'avais pas l'opportunité de venir en France. Et je suis donc vraiment heureux de pouvoir enfin venir avec mon travail, avec ma musique, pour le public cofifil d'ici. Mais avant mon arrivée, ça ne nous a pas échappé, mon single Élégance m'a précédé. Le single qui annonce l'album Légende. J'ai envie qui est... Allô ? Allô ? Allô, allô ? Le single, l'album Légende qui va sortir bientôt, qui est un album multidimensionnel, parce qu'il y a des pistes nouvelles, à part le tchatcho que vous connaissez, à part la rumba que vous connaissez, j'ai été explorer les terrains nouveaux, les styles nouveaux, parce que, comme dit mon petit frère Robert, Kofi doit être toujours up to date. Donc, j'essaie de le faire du mieux possible. Mon frère, mon ami fidèle, vous a dit tout à l'heure que je suis venu pour mon papa. Oui, c'est vrai. J'ai eu mal. J'étais très malheureux de ne pas pouvoir accompagner mon papa dans sa dernière demeure, parce qu'il est mort à Paris. Le 30 avril 2016, je me trouvais en concert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je parcourais le monde dans tous les sens. Mon papa est mort le 30 avril et je n'étais pas là. J'avais comme une dette immense dans ma conscience et dans mon cœur vis-à-vis de cet homme qui a tout fait pour que je devienne un homme ou à peu près un homme. Je suis fier de lui. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a appris. Et revenir en France 10 ans après, je ne pouvais rien faire d'autre avant qu'aller le saluer. Donc, c'est ce qui a motivé d'abord ma venue. Je voudrais remercier mon manager, mon boss, Joven, pour tout ce qu'il a fait depuis tout ce temps, depuis plus de 10 ans. Il est venu même au Congo me rencontrer. Pour ça, il est arrivé que... Je me demandais même s'il arrivait quelque chose de grave à ma famille qui vit ici, comment j'allais faire pendant cette période. Je remercie Dieu. Je remercie mes amis, ma famille, du fond du cœur. Pour ce qui concerne mon travail, vous le savez, Tata Mobima, partout où vous êtes, vous ne pouvez plus vivre sans. Donc, sans trop m'éventer ou sans trop parler, vous savez que je suis là, sans être là. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis vraiment là. Il y a donc mon album. Nous sommes en train de préparer deux immenses concerts du style que vous devinez. On ne peut pas aujourd'hui vous annoncer. Mon groupe et moi, nous sommes en train d'affûter nos armes pour être au rendez-vous. Ce sera annoncé sur mon site officiel très bientôt. Désormais, sachez-le, les choses vont être plus recadrées, mieux faites, parce que j'ai eu le temps d'apprendre et, si j'ose dire, de mûrir. Enfin, les amis, je souhaiterais vous ramener à l'affaire. Vous ramener à ce que j'ai enduré pendant 10 ans, l'injustice que j'ai subie. Je pense à Dieu. J'ai chanté une fois, petit frère à Jésus. Je pense
que Jésus comprend le lingala et que c'est lui qui a dû dire à son papa, « Papa, c'est lui, mon petit frère, Kofi Antoine, j'ai dit Tony. » Et son père a fait le reste, parce que c'est Dieu qui a la clé. Lui n'a pas besoin d'avoir des clés, lui il a une clé, c'est lui qui résout tout. Donc, vous avez suivi sûrement, j'ai demandé une messe d'action de grâce pour lui dire un grand merci, même si ça ne vous a pas échappé que la première chanson chrétienne congolaise, c'est de Kofi Olomide, ça s'appelait Dieu voit tout. Et puis ça a fait école. Il y a aussi eu, sauf qui peut, Apostolo Bolingo, etc., etc. Je remercie Dieu. Vous savez, je ne souhaite à personne ce que j'ai subi, ce que j'ai enduré pendant 10 ans. J'étais chez moi, je travaillais, j'allais et je venais. Je me savais innocent. Aujourd'hui, je suis heureux que la justice française m'a innocenté, m'a blanchi complètement. C'est-à-dire les deux chefs d'accusation humiliants, qui étaient les viols, qui d'abord étaient requalifiés en agression sexuelle, ce n'était plus viol. J'étais relaxé, blanchi, mon honneur rétabli, parce que vous savez, je suis un père, je suis un mari. Ma mère vit encore. Mes amis ont besoin d'avoir un ami digne, d'un ami fréquentable. À un moment donné, je sentais qu'ils avaient honte, qu'ils étaient gênés. Aujourd'hui, comprenez mon bonheur, comprenez aussi mon émotion. Quand j'ai appris le 18 mars 2019, que les juges, que le tribunal de Nanterre, moi je me trouvais à Kinshasa, a déclaré Kofi non coupable, innocenté, relaxé. Le reste, je m'en fous. La meilleure preuve de mon innocence est ma présence aujourd'hui en France. Évidemment, il y a des gens, surtout dans la communauté de mon pays, qui aiment que Kofi soit enfoncé, que Kofi ait la tête dans l'eau. C'est ainsi qu'il jongle avec cette affaire. Ah, le sursis, gna gna gna. Avez-vous déjà vu quelqu'un accusé de viol, coupable de séquestration, qui ne soit condamné qu'à 2 ans avec sursis? Donc, ça c'est une affaire d'avocat, de juriste. Je ne veux pas m'attarder. L'essentiel est que je suis en face de vous. Et j'ai du plaisir à vous rencontrer. Excusez-moi si j'ai un peu eu un ton grave en parlant de cette affaire, mais comprenez que vous avez affaire à quelqu'un qui a le cœur, qui avait le cœur meurtri, qui a souffert. J'ai dit encore une fois, je ne souhaite à personne, même pas à ceux qui me considèrent comme leur ennemi, de connaître ce que j'ai connu. Vous allez dans tous les aéroports où il y a en permanence France 24 qui balance encore Kofi Olomide, réquisitoire du procureur, demande 7 ans de prison. Quelle humiliation. Par contre, si France 24 pouvait aussi, ne fût-ce qu'un jour, dire Kofi est là, il a été relaxé, ça me... je trouvais ça un peu juste. Ceci dit, si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre, je vous donne la parole. Je tâcherai de vous apporter la lumière qu'il vous faut. Salut à Marie-Christine. De la Côte d'Ivoire. Salut à tous les amis, ceux qui sont venus de Londres, de la Suisse, de partout. Je vois des gens du Bénin, je vois des frères en Christ qui sont mes frères ici, je vois des généraux. Je sais pas si c'est un miracle. Donc je suis vraiment, vraiment ravi d'être là. Je vois le Maroc à travers les dames. Je suis sûr que c'est le Maroc ou l'Algérie. Donc je suis vraiment content. Il y a aussi le Cameroun, la France, il y a la Belgique. Oh, mais voilà, voilà la Centrafricaine. Et il y a Vox Africa devant. Il y a Vox Africa devant. Voilà. Merci Vox Africa, merci à la dame bien coiffée. Voilà. Donc si vous avez des questions, on est vraiment, on est bien là. Hein? Il n'y a pas... émeute. Donc calmement, on va se parler. Je vais tâcher de vous répondre le mieux possible. Voilà. Parole à
monsieur. Merci, très cher Tofiromide, de nous avoir encore fait un grand plaisir, parce que vous vous êtes exprimé face à tout un continent et à notre pays, la République démocratique du Congo, et également à d'autres pays. J'ai oublié l'île Maurice. Mesdames et messieurs, nous allons procéder ainsi. Je vais vous passer le micro. Vous allez demander vos questions. Et compte tenu de la durée, je préfère que vous soyez un peu bref et ne pas vraiment prendre beaucoup de temps parce que le temps est limité. Après, Koffi a d'autres rendez-vous et il y aura un petit cocktail pour vous que vous a offert Koffi Olomide par sa générosité. Merci, vous n'étiez pas tous présents au moment où j'avais pris la parole pour l'introduction. Et je vous passe la parole, vous vous présentez, si vous êtes journaliste, si vous êtes fanatique ou si vous êtes invité, vous vous présentez nom et prénom et votre profession. Merci. Bonjour à tous. Monsieur Koffi Olomide, bonjour. Excusez-moi, je vous en prie. Il y avait une urgence. Oui, je me présente Nadir Jemad, je suis journaliste. Correspondant à Paris pour BBC Afrique. Et j'ai deux questions à vous poser. Alors, une concerne l'affaire judiciaire que vous avez évoquée. Le parquet de Nanterre a fait appel de la décision qui a été prise. Nous aussi, on a fait appel de 2 ans avec sursis. Voilà, justement, je voulais justement voir avec vous comment vous appréhendez cet appel. Il me faut l'acquittement total, et ce sera le cas, ne vous inquiétez pas. D'accord, ça c'est la première question judiciaire. La deuxième concerne la musique. J'ai lu dans une interview que vous aviez l'intention de relancer la musique congolaise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la musique congolaise est menacée ou rencontre des difficultés? Oui. Merci. Vous savez, votre question est trop bien posée, j'ai tendance à dire oui. C'est tout. On a des difficultés. C'est bon, hein? Vous pouvez nous en dire plus sur ces difficultés? Quels sont les problèmes que rencontre la musique? On a mélangé la politique et la musique. C'est-à-dire, dans notre pays, malheureusement aujourd'hui, on a tendance à tout ramener à la politique. Mais je suis très mal placé, au jour d'aujourd'hui, de vous donner les détails. Je suis très mal placé. Je n'ai que 2 semaines en France. Et je n'ai pas trop parlé de mon pays politiquement quand je suis à l'étranger. Ça risque d'être mal perçu. Mais je vous ai quand même répondu oui. La musique congolaise en est en France. Je pense et mon droit. Et je compte m'aimer dans le combat. Dans le combat de restaurer, si j'ose dire, un peu comme Notre-Dame de Paris, de restaurer la musique congolaise. Donc je veux être de ceux-là. Je veux mettre ma main à la pâte. Je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup de gens doués et compétents. Voilà. Merci. Bon, deuxième question. Monsieur Mboulé, merci d'être là. On ne peut pas d'abord finir avec le civil. Je comprends. Quand tu vois le militaire, il a tendance à penser que alors que. Alors, monsieur le président de l'Amérique, des questions, j'ai eu des milliards. Mais simplement, je vais en poser deux. La première, est-ce que l'image que nos jeunes ont de Koffi Olomide, violeur, agresseur et tout, est-ce que vous pensez qu'après votre réaction, votre acquittement, les gens dans leur tête et dans la famille partout. Mais relax. Voilà, vas-y, comme tu veux. Prends le contexte. C'est pas moi qui fais, c'est comme ça. Voilà, on y va, on est dans le temps. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez toujours la même réputation? Est-ce que vos fans vous portent encore à cœur? La première question, je vous réponds la première question. Aucun fan, aucun homme sensé ne s'est convaincu que Koffi est un violeur. Vous savez, la réputation qui est vraiment la mienne depuis que je fais la musique, depuis tout ce temps, je suis le chanteur des femmes. Vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes et les hommes que les femmes aiment. Sachez me situer dans la bonne catégorie. Vous me connaissez bien. Voilà. Donc personne n'est convaincu. Vous savez, il y a des précédents avec des plus grands que moi, des gens comme Michael Jackson, Johnny Hallyday, meilleur au Maroc, en Algérie, Khaled, etc. Vous savez, aujourd'hui, ça va vite. On est dans l'époque du fake news. Et puis, il y a un principe congolais qui consiste en
apprends-toi. Tu t'en prends à Kofi Olomide. Et puis tu as de l'actualité. Tu vois, c'est pas ta tête. Le modérateur me voit, ne veut pas mon micro. Oui. Ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est. Attendez, on regarde le film. Je suis un journaliste, je vais faire ça. Une question. Là, on parle pas pour rien. Laissez-moi poser la question. Alors, la deuxième question, c'est celle de. Est-ce que Kofi Olomide va déclencher un concert ici pendant que la communauté de l'espoir congolaise ne veut plus de concert? Et ça sera avec le musicien de. Qui tient ça ou de l'émission de la diaspora? Vous savez, voilà. Moi j'ai fini par comprendre pourquoi nos compatriotes ne voulaient pas de la musique. Et ils ont raison. Mais ils n'ont pas totalement raison. Ceux que nous appelons combattants, on aurait dû les appeler tout juste le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a mis Kofi sur le piédestal où je suis, qui a fait de moi ce que je suis. Je vous laisse le loisir de choisir les termes et le vocabulaire. Et moi et tant d'autres devrions comprendre ce que ces compatriotes voulaient me faire comprendre. La seule chose est que moi j'en appelle aujourd'hui à la conscience de ces compatriotes. Faut-il, pour des raisons politiques légitimes, sacrifier la musique congolaise, la tuer? Moi, j'ai confiance au bon sens de ses compatriotes. Je suis conscient que je dois être à l'écoute de leurs préoccupations. Si la musique congolaise pouvait parler, la musique demanderait aussi à ses compatriotes. Mais, compatriote, vous êtes en train de m'assassiner. Est-ce que la musique congolaise, qui est en fait le berceau de la musique africaine, demandez à tous les Africains, est-ce que nous n'avons pas un compte à rendre à l'Afrique, aux Ivoiriens qui ont appris de nous, les Nigériens, les Camerounais, j'en oublie des meilleurs. Donc, même si le médecin qui garde en vie l'homme politique congolais, quand bien même les combattants lui reprochent ce qu'on lui reproche. Même s'il y a un cuisinier qui lui fait manger, même s'il y a même une dame qui a accepté de devenir son épouse, on ne leur fait rien, on ne leur fait aucun procès. Le chanteur qu'on a sollicité, qu'on a payé pour chanter, qui a fait donc une prestation de service, uniquement une prestation de service, pourquoi on va l'accabler jusqu'à la mort? Aujourd'hui, la musique congolaise est quasi par terre. Moi, j'ai appris par mon papa qu'on ne s'en prend pas à un homme qui est à terre. Donc, pourquoi on ne fait pas de procès au médecin qui soigne le politicien dont on ne veut pas? Pourquoi on ne fait pas de procès à son chauffeur, à son avocat, à son cuisinier? J'en passe et des meilleurs. Seulement la musique congolaise, mais j'ai fini par le comprendre. Mais il n'y a pas de pluie sans fin. Il n'y a pas de pluie sans fin. Rien sur terre n'a pas de fin, rien. Donc à un moment donné, il faut que nous nous regardions dans les yeux. Parce que si on me dit que non, c'était parce que le régime là, qui n'est plus là, faisait ceci, faisait cela. Et que donc aujourd'hui, on est, au jour d'aujourd'hui, avec le régime qu'on en place. Même si il y a toujours débat, parce que moi j'en suis convaincu, ça ne finira jamais au Congo. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on décide? Plus jamais de musique? Mais alors, soyons conséquents avec nous-mêmes, avec nos consciences. Pourquoi il y a des mariages avec nos musiques? Pourquoi Papa Mobimba a autant de succès? Pourquoi est-ce que les Congolais ne sont pas devenus des amateurs de la pétanque à la place de la musique? Donc, moi je comprends mes compatriotes. Je leur dis, je leur ai toujours dit que je les comprenais. Je suis celui des Congolais qui a eu le courage de s'en prendre à la machine à voter. Je suis celui-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut laisser la musique
être. Et puis on peut trouver des formats, on peut trouver un contexte ensemble pour le faire. Si vous voyez les combattants, si vous les rencontrez, peut-être que vous en êtes, dites-leur mon amitié. Merci. Merci, Kofi Olomide. Je vais passer la parole à Vincent Fricot. J'aimerais répéter l'essayant de poser une question. Résumez-vous avec la notion de temps. Donc, Vox Africa. Mais j'aimerais encore compléter Kofi Olomide, que j'aime personnellement bien. Il y a une chanson de Kofi Olomide, Monsieur Rondolé, Évangile. Je vous recommanderais, c'est dans l'album Noblesse. Écoutez Kofi Olomide et ses paroles. Vous verrez que le résumé d'aujourd'hui est d'écouter Évangile. Notez bien, Évangile, c'est une chanson de Kofi Olomide dans l'album Noblesse. Messieurs, mesdames, chers fanatiques de Kofi Olomide, écoutez Évangile. C'est dans l'album Noblesse, Évangile. Merci à vous, Madame Vox Africa. Sauf que l'album s'appelle Noblesse Oblige. Bonsoir Kofi Olomide, je suis Aïcha Sang de Vox Africa, présentatrice de Moda. Moi, je suis très contente que vous soyez à Paris parce que on va rien cacher, vous nous avez manqué. Quand je dis nous, la grande diaspora africaine. Donc, on est content que vous soyez là aujourd'hui et je dis merci à la justice française hein, parce que vous avez tout dit, hein, toutes mes questions, j'ai déjà les réponses. Mais vous savez que vous êtes Johnny Hallyday. Yes. Moi, c'est comme ça que je vous considère. Yes. Les gens, ils vont parler tout ce qu'ils veulent. Merci. Vous êtes notre Johnny Hallyday. Alors, vous êtes resté en Afrique presque 10 ans. Il y a eu la phobie, il y a eu plein de jeunes qui ont sorti trop de, comme je dis, trop de bruit. La musique, c'est une façon de dire en guillemets. La musique africaine en elle-même, la mère musique, il n'y en a plus. On n'a plus. Parce que même vos confrères, peut-être Camerounais, je vais citer peut-être petit pays, ils sont essoufflés. Est-ce que vous pensez qu'en tant que vous, porte-flambeau africain, vous allez nous apporter cette énergie-là qu'on a pu depuis presque des ans aujourd'hui, pour que la musique africaine remonte au sommet. Vous nous avez fait baisser, c'était un rêve. Moi, j'étais encore venu à l'époque et je pleurais quand j'ai vu les images de Bessie. Est-ce que vous croyez qu'avec votre retour, vous allez vraiment nous faire plaisir? Parce que en vous faisant plaisir, vous nous faites plaisir. Et vous travaillez, c'est pour nous. Nous, vous êtes notre employé, si je peux le dire, musicalement parlant. Donc, est-ce qu'on peut compter sur vous? Vous pouvez nous promettre ici aujourd'hui, devant les médias, les fans, tous ceux qui sont là, que vous allez nous amener au Stade de France pour votre retour. Merci beaucoup, madame. Mais je récuse ce que vous dites sur mes collègues. Pour moi, ils ont de la valeur. Vous savez, si vous êtes tout seul, il n'y a jamais de fête. Il n'y a pas de fête, il faut que vous soyez nombreux. Alors, vous pouvez juste me faire confiance. Et vous me connaissez, je ne suis pas du style à laisser tomber les bras. J'aime mon métier, j'aime le public qui m'a fait. Je lui donne du respect. Chaque fois que je suis en studio sur scène, c'est pour son bonheur, je ne pense qu'à lui. Je ne peux pas dire davantage que ça. J'ai dit tout à l'heure que je veux être de ceux qui vont mettre la main à la pâte pour que la musique me laisse les berceaux. Alors, le berceau de la musique africaine, la musique congolaise, refasse surface. Donc, je ne peux pas dire davantage que ça, vous me connaissez. Vous savez, entre-temps, vous êtes de quel pays? Du Cameroun, mais je vous connais depuis le Bénin, je suis Alex. Voilà, donc, au Bénin, je n'ai pas été, mais j'étais partout. J'ai découvert la Guinée-Bissau, toutes les Guinées, j'étais partout. Les Africains, eux, n'ont pas de commissaire. À quoi s'en tenir quand ils sont venus? Alors voilà. Donc, mes fans de la France, nous avons un compte à régler. Et moi, je suis quasi prêt. Voilà. Merci. Pour le Stade de France, vous avez interpellé une personne ici, mais je ne peux pas dire. Vous avez interpellé quelqu'un ici. Bon, moi, je ne fais pas de commentaires. Merci. Merci. Je prends une question, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Bonjour le grand Paolo. Bonjour. Je me présente Kenny Katenda Mpata. Je suis. Ah. Voilà, Kenny Katenda, de Congo Puissance Télévision, ma chaîne YouTube. Le grand Paolo, je suis très content de vous revoir sur Paris. Je suis très heureux
de pouvoir circuler, se promener à Paris en tant qu'un citoyen libre comme tout autre citoyen. Je suis content. Mais cela n'est pas suffisant. J'aimerais voir les grands opéraux en scène, sur un spectacle, sur un concert. Mais Kofi Olomide, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement des problèmes avec les combattants. Kofi Olomide, les grands opéraux, vous avez aussi des problèmes avec toute la communauté. Je n'ai aucun problème avec les combattants. Je n'ai pas fini ma question. Non, moi, je n'ai pas l'habitude de laisser les gens dire... Je n'ai pas fini. C'est les artistes et les musiciens. Oui, je n'ai pas fini. Moi, Kofi, je n'ai pas de problème avec les combattants. On a juste une petite différence. Eux, ce sont les combattants. Moi, je suis un battant. Voilà. Ma question est la suivante. Le combattant. La communauté congolaise qui est votée. La communauté déclare de confier la médaille, la crainte des gens qui habitent dans HLM, les gens qui remplissent les prisons, les pauvres, la communauté congolaise qui vous enrichit aujourd'hui, mais vous les traitez de pauvres. La communauté congolaise pleure, la communauté congolaise déclare de confier la médaille, est-ce qu'il peut s'excuser par rapport à ça? Vous savez, un jour, quelqu'un qui s'est fait passer pour un combattant, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'a appelé, il a commencé par insulter ma mère. L'insulte que vous savez, je n'ose pas répéter. Si maman l'a eu, je n'ose pas répéter. Et puis, de toute façon, Kabila, on s'en a brouillé, tout. Vous auriez été à ma place, vous auriez répondu quoi? Vous savez, c'est facile parce que c'est Kofi Olomide de dire ce que vous dites. Vous ne connaissez pas la personne. Il vous appelle, un numéro est connu, vous répondez. Il commence par insulter votre maman, ma pauvre maman qui en France, vous l'avez vu au cimetière de mon papa, qui a 83 ans aujourd'hui. Et puis, sortez dans la rue, allez mourir, Kabila est en train de faire ceci, tout ça là. J'étais en train de jouer au Scrabble, ma passion. Vous, à ma place, vous auriez fait quoi? Maintenant, il y a une expression chez nous, même en Europe d'ailleurs. Les Français disent des Belges, ah, vous les Belges, vous êtes ceci, vous êtes cela. Les Marocains disent des Algériens, vous les Algériens, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est-à-dire quoi? Quand un Mongo se dispute avec un Mouluba, il dit Binoba Luba, Bozarabo. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il a un problème avec tous les Balouba. Il faut être de mauvaise foi pour prendre ça comme ça. Même le monsieur, quand il me parlait à moi, il a dit « Binobo, vous êtes là. » Il ne parlait qu'à moi. Le reste de la communauté congolaise, je suis désolé. Il faut leur dire qu'on est désolé. J'exprime mes regrets parce qu'on les a induits en erreur. Quel intérêt, moi, je pourrais avoir à en prendre à mes compatriotes? C'est lui que tous les matins, sur Internet, vient mon pao, chante bruit. Viens confier, sainte. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que vous les montez. Vous voulez les induire en erreur, vous voulez les monter contre les Kofi. Je n'ai aucune raison. Mais quand les Belges, quand un Belge se dispute avec un Français, les Français lui adhèrent, vous les Belges, vous avez un accent. Et puis, le Belge dit, vous les Français, vous êtes radins. Moi, j'ai déjà rencontré des Français qui sont généreux, qui ont la main sur le cœur. C'est une façon de parler. Donc, dites bien à mes compatriotes qu'ils ont mon amour, qu'ils ont mon respect. Rien d'autre. Je n'ai pas de problème avec eux. On a voulu les manipuler, comme d'habitude, pour ce qui concerne Kofi Olomide. C'est comme ça que les mêmes Congolais, par amour, m'attribuent tous les noms. Mais donnent toutes les tâches. Viens Kofi, chante, déverrouille-moi. Voilà. Donc dites-leur, je suis désolé, et elle me méprise. Mais aucun jour, je les insulterai. J'en veux à cette personne. Je lui en veux encore. S'il est un vrai homme, qu'il se présente devant moi et qu'on règle nos comptes. En plus, moi, j'ai un sursis. Qu'il en profite. Bonjour, Kofi Olomide. Henri Paul Kindoki. Voilà, je suis surtout en tant que fan. Vous avez dit tout à l'heure, pour revenir à votre travail, que les choses vont être recadrées. En ce moment, mais comment je n'ai pas d'ailleurs, je ne sais pas ce qui va m'arriver après avoir évolué ici aujourd'hui. Je ne peux pas passer devant mon caméra, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a un sous-titre qui est en train de poser grave, parce que je vous ai dit, il y a deux dates énormes qu'on va annoncer, juste pour le
Parce que moi, je lui ai dit tout à l'heure, moi, ma place n'est pas ici, en conférence. Moi, ma place est sur scène. Juste à l'écart. Voilà, c'est une déclare de Jésus. Je cesse d'avoir le sommeil chaque nuit à 5h du matin parce que je pense à ça. Vas-y. C'est bon. Voilà, donc je vais dire, qu'est-ce que, à votre avis, vous ne faisiez pas bien, que vous allez mieux faire maintenant? Parce que moi, en tant que fan, par exemple, j'ai toujours souhaité que vous travailliez avec un chorégraphe pour le format des concerts et d'autres. Donc voilà, si vous avez des pistes, voilà, on aimerait bien. Ça. J'espère que vous pouvez me donner vos chorégraphes. Voilà, ça va possible. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquels je suis insuffisant. Donc si je me mets à les citer, on devrait nous donner 2 heures d'extra ici. Mais donc il y a beaucoup, j'ai besoin d'apprendre, j'ai beaucoup. Là, il est question que je reprenne un titre de mon idole, Johnny Hallyday. On a l'autorisation de Madame Laetitia, c'est ça? Alors, je n'ose pas annoncer encore mon choix parce que j'aime tout ce qu'il a fait, mais il y a des chansons que je n'arriverai pas à chanter parce que pour moi, c'est le plus grand chanteur français de tous les temps. Donc je vais essayer vraiment d'aller tranquillement, mais je vais m'amuser à chanter une de ses chansons, de me faire plaisir sincèrement. Voilà. Merci beaucoup. Compte tenu du temps, on a 3 bonnes questions à poser à Kofi Olomide. Fidèle, arrête de mettre de traumatiser les gens. Pardon. C'est une question pour vous. Une question, s'il vous plaît, madame. Et merci quand même de vous aimer. Il y a des Ivoiriens ici qui n'aiment pas la brutalité. Hein. Mais non, vous avez des J'aimerais encore adresser à la salle, remarquer, constater et analyser bien Kofi, depuis qu'il est à Paris, il s'habille comme Johnny Hallyday. Bonsoir, je suis Christa Bélan, journaliste BET NWE. Honorable grand Mopa, ou en tout cas c'est un honneur vous pour êtes moi. De quel pays? Je suis du Cameroun, champion d'Afrique encore un peu. Oui, j'ai l'accent de Charlotte Dibonda. Ah d'accord, ben, merci beaucoup. En tout cas c'est un honneur pour moi qui ai grandi avec votre musique, en passant par Loi et toutes les dernières chansons. Vous êtes une légende comme votre dernier album. Tout à l'heure on a parlé de musique congolaise. Vous comptez redonner un coup de boost, mais c'est vrai que la jeunesse congolaise, en tout cas en France, elle passe pas inaperçue. On sait que, on peut compter parmi eux Dadju, Nazak, Black Hero, il y a ici Stan Warley. Tous les bons sont congolais. Voilà, et il y en a un aussi présent qui est là, Stan Warley, je lui fais aussi un billet. Lui c'est mon ami. Ah d'accord, c'est l'ami de tous en fait. Il ne s'appelle que Johnny Olomide le Warley. Et donc je voulais déjà savoir, enfin ça sera une question, enfin 2 questions en une, savoir dans votre album, je sais qu'il y aura des artistes nigérians, Davido. Il y a déjà, c'est déjà fait. D'accord, Davido, Tiwa Savage. Est-ce qu'il y aura des artistes congolais de France et aussi donc pour cette jeunesse congolaise, en tout cas africaine en France? J'ai l'embarras du choix. D'accord. Je dois masteriser l'album. Oui. Mais il est question qu'on fasse encore 1 ou 2 featuring, mais je ne peux pas encore en parler. Moi, je ne suis pas du style politicien qui vend du vent. J'aime parler que du concret. D'accord, donc il y aura quand même des artistes congolais d'ici. Bien que les musiciens qui ont joué sont tous congolais. Mais quand bien même Stubby, Jikapé, la champion esthétique n'était pas là, mais il y a des artistes congolais. D'accord. Et ma question, c'est donc quel conseil, justement, vous, la légende, vous pourrez donner à la jeunesse comme conseil de longévité dans ce milieu artistique? De faire ce qu'ils ont fait par amour et avec amour. C'est le seul conseil. De faire ce qu'ils ont à faire par amour et avec amour. Merci beaucoup, grand Charles. Merci. Monsieur, bonjour. Je m'appelle Nancia. Bonjour, Nancia. Je présente l'émission Confidence Musicale. Je vais aller directement au but. Je voudrais savoir, vous qui avez fait tant de belles rumbas, qui avait côtoyé le sommet des charts, est-ce que vous pouvez me donner le secret pour faire une belle rumba? Avoir un cœur aimant. Avoir un cœur vraiment aimant, un cœur. Moi j'ai dit, c'est pas seulement une formule. La chanson Alidor par exemple, c'est la chanson pour laquelle j'ai eu le moins de difficultés. C'est-à-dire, je ne me suis pas réduit au travail pendant 2 jours. Il y a eu la mélodie. Et puis je me suis mis à chanter. J'ai eu du mal à terminer la chanson parce que j'avais des larmes. Donc, j'ai dit, chanter, c'est laisser parler mon cœur. Quand ça vient du cœur, ça va tout seul. Mais quand ça ne vient pas de la source, parce que le cœur, c'est la source, c'est compliqué. Voilà.
avec son cœur, comme j'ai dit tout à l'heure. Merci. 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 Bonjour, les grands Mopao. Bonjour. Je me présente, Bibiche Capital, grande dame. Je suis présentatrice de Congo Number One. Pourquoi vous dites grande dame? Pareil, c'est mon nom. Ah, c'est surnommé comme ça. Ah, surnom. Oui, c'est un surnom, grande dame. Ah, d'accord. Parce que oui, madame Brigitte Macron, elle peut se fâcher. Ma question est celle-ci. Oui, donc, est-ce que avant de partir, vous allez voir le combattant pour discuter avec vous? Je les rencontre tous les jours, on se parle tous les jours. Eric Moulal, ils sont nombreux, on se parle. Ils viennent à Kinshasa, on n'a pas de problème, on a les mêmes sujets, on a les mêmes préoccupations. Vous savez, nul d'entre nous, madame la grande dame, n'a le monopole de l'amour de notre pays. Moi, je suis celui des Congolais qui a chanté « Affaire d'État » il y a 20 ans déjà. Et réécoutez aujourd'hui cette chanson-là. Tout ce que, qui se pose aujourd'hui est dans « Affaire d'État » ou presque tout. Je l'ai chanté sans injonction, sans être payé. Je l'ai chanté comme je pensais à mon pays. Moi, je peux le dire ici aujourd'hui. Et qu'on me filme bien. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il aime le Congo davantage que moi. J'ai pris le risque, et vous le savez, de m'opposer à la machine à voter. Je vous le remets en mémoire. Beaucoup de gens faisaient la fine bouche, tournaient autour du sujet, mais moi je l'ai dit clairement, et tout le monde le sait, à cette époque-là, je pense, vous la grande dame et les combattants, vous avez salué le vieux, comment vous dites là, le vieux mon pauvre chat, il est beau, tout ça, vous vous rappelez, voilà. Donc, j'aime mon pays autant que mes frères combattants, et nous sommes tous dans la même galère. Merci. 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 Voilà, bonjour, Kofi Olomide. Bonjour, madame Léopard. Merci. Oui, j'aime les pitons, merci. Donc, je me présente, Claudia Suka, et il y a Congo, presse en ligne, la mignonne, voilà. D'abord, je vous apprécie beaucoup depuis ma naissance, depuis mon enfance aussi. J'aime beaucoup vos chansons, donc j'aime. Mais j'aimerais bien parler à Lingala, la mon Ah non, 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 mon manager ne comprend pas. Ah, désolé, ok, c'est bon. C'est pas grave. Des fois, j'aimerais bien se baser, parce que je vis tout le monde se base du côté de la, du concert et tout cela. Mais moi, j'aimerais bien savoir, Kofi Olomide, avec ses collègues de la musique, souvent vos collègues vous traitent du n'importe quoi, je ne peux pas tout le dire. Mais vous pouvez le dire n'importe quoi. Matou Moli, ou soit méchante, tout ça. Problématique. Oui, problématique aussi. Mais en soi, en vous-même, vous vous reprochez de quoi? Que moi, Kofi Olomide, je le mal de ça. Ouais. Moi, je ne reproche qu'une chose. Ouais. D'être Kofi. D'être Kofi, ça veut dire? D'être le numéro un. C'est lui que tout le monde regarde. C'est tout mon problème. C'est tout. Vous savez, les gens-là qui, comme vous avez dit, madame, disent n'importe quoi. C'est ce que vous avez dit, hein? Oh, mais... Fidèle, mais tout le monde. Mais allez, après, c'est tout. Il faut respecter les dames. Oui, je vous écoute, monsieur. Donc, vous avez dit vous-même n'importe quoi. Oui. Souvent, je passe... Mais on vous qualifie. Oui. Oui. Et tous les jours. Voilà. Mais on ne justifie pas ces qualificatifs. Et vous ne vous reprochez de rien. Bon, si. Moi, je ne suis pas indemne de tout reproche. Je suis... qu'un homme, je l'ai chanté dans la chanson Esclave. D'accord. Nazanama Motoka, je ne suis qu'un homme. Donc je n'ai une faiblesse, mais quand quelqu'un m'accuse, bon, la dernière accusation, nous venons tous de voir que c'était des mensonges, c'était un montage. Quand on m'accuse, il faut qu'on amène des preuves, qu'on étaye avec les preuves. Moi, je sais ce qui dérange, c'est que c'est moi qui confirme le milieu. Ça fait 30, combien toi tu comptes bien, ça combien 30, 36 ans depuis les Ngobila jusqu'à Ndor. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui. pour finir, est-ce que vous pouvez, comment dirais-je, dire un mot à vos collègues, tous les musiciens congolais, parce que là nous étions en l'air, nous venons de perdre. Papa Lumumba, vous n'étiez pas là. Et les gens ont mal répété aussi, et j'ai apprécié. C'est une page, assez douloureuse. Hein. Nous venons de prendre un monument, le grand musicien, oui. Notre papa tous, vraiment. Donc, j'ai déjà eu l'occasion
avec ma guitare, vous avez sûrement suivi pour les réseaux, j'ai chanté, je lui ai rendu hommage le premier. Mais avant ça, je n'ai pas attendu qu'il meure pour saluer sa grandeur. J'avais fait un spectacle Kofi Chant de Touba. Donc voilà. Votre absence, les gens ont mal interprété. Mais vous savez, vous n'êtes pas là-bas, vous. Mais on le voit quand même. Mais vous n'êtes pas là-bas. Mais on le voit sur les nets et partout. Ah, vous voyez sur les nets, hein? Oui. Moi aussi, je vois. Mais vous pouvez dire quelque chose par rapport à votre absence. Par rapport à quoi? Votre absence. Non, j'ai dit tous les gens qui aiment quelqu'un qui est mort ne sont pas forcément là où il est, là où il est veille. Ok. Pépé Akoun, je n'ai pas allé, il n'était pas là, mais il aime le tout. Il est là. Christelle Mangaya. Bien, il enlève le tout, mais il est en deuil. Comment, papa, là, comment vous appelez là? Kelly Katéli. Kelly Katéli, là, il n'est pas là. La grande dame. Bibiche, il n'est pas au deuil. La grande dame. Le petit Londolais, le petit de LVL. Il n'est pas au deuil. Tous les gens qui sont ici, Jikapela. Dabou Jikapela. Toi, tu aimes le tout, ou pas? Si, pourquoi tu n'es pas au deuil? Merci. Ouais. Debout, ouais. Je vais poser une question, je suis arrivé avec ça. Ouais, Johnny Olomide. Toi, tu n'aimes pas le Touba. Et pourtant, j'ai écouté ta chanson hommage à le Touba. Mais pourquoi tu n'es pas au deuil? Fidèle. Voilà. Et surtout, Sandra Kazali, pourquoi tu ne parles pas? Une question. Parce que je suis avec toi. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je voudrais simplement vous faire comprendre que le temps est vraiment limité. Et on a une dernière question, je donnerai la question à monsieur. Et moi, déjà? Bonjour Monsieur Lomide. Je suis Joël Toyoro, moi la Moudala, voilà, je suis de l'Équateur comme vous. Là je représente la jeunesse congolaise et j'ai une question à vous poser, une question très bénéfique. J'aimerais bien savoir en tant que jeune, Kofi Lomide d'hier et Kofi Lomide d'aujourd'hui, est-il un exemple à suivre pour le jeune qui va se lancer dans la musique? Il faut poser la question, Jacques. Non, c'est à vous. Non, êtes-vous un exemple, selon vous, en fait? Bon, moi, je n'ai pas à répondre à ça. Vous demandez à ceux qui vous ont envoyé, vous dites que vous êtes le représentant. Je veux bien savoir personnellement, en tant que confieux aux idées, êtes-vous un exemple pour la jeunesse congolaise? Alors, pour la dernière fois, messieurs, je vous dis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Vous demandez à ceux qui vous ont mandaté, vous dites que vous êtes le représentant des jeunes, c'est ce que vous nous avez dit. Non, j'ai dit, là j'ai pas en tant que jeune, en fait, en tant que je représente la jeunesse. Ah bon, mais vous n'avez pas l'air si jeune, hein, monsieur. Il y a des jeunes. J'ai 27 ans, j'ai 27 ans, monsieur. Donc, regarde un jeune, Sandra. Sandra, vous voyez le jeune. Vous voyez le jeune, oui. Un autre jeune, oui. Quand je regarde, voilà le jeune. Donc, posez la question aux jeunes, si je suis un exemple ou pas. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes là pour écouter une représentatrice qui est venue pour soutenir Kofi Olomide. Merci beaucoup. Merci. Bon, Kofi, bonjour. Bonsoir ou bonjour. Mais moi, sur la tête de Kofi Olomide, moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je le soutiens beaucoup même. Mais je lui ai amené un cadeau. Vous lui donnez, c'est mon frère. Tiens. Merci beaucoup. Oui, c'est le moment, président.
Mesdames et messieurs, merci d'être très nombreux. Nous allons passer au cocktail et ça sera un moment agréable à nos amis de pouvoir échanger. Allez, nous allons passer au cocktail pour vous adresser la table juste à côté. Confirmé m'a demandé de passer le micro à deux questions. Défidèle. Merci. Qu'est-ce que ça veut, César? Monsieur Confirmé, bonjour. Bonjour. Clébois, original, César, on a dit tout le monde est d'accord. Bon. Kofi Olomide, après avoir tenu des propos que j'ai qualifiés à la limite insultants, envers qui ? Ces jours, vous ne trouvez pas qu'envers la diaspora, je ne vais pas vous rafraîchir la mémoire parce que tout le monde le connaît. Je ne pense pas que les gens qui sont ici sont amnésiques. Donc, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, c'est une occasion qui vous est offerte pour demander pardon à la diaspora congolaise. La deuxième question. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête le jour du cimetière et le même jour à la messe. Donc au cimetière, vous êtes venu presque à la fermeture du cimetière. Et puis la cerise sur le gâteau, à la messe, vous êtes arrivé pas en retard à la fin de la messe. Et puis... Oui, madame. Oh, papa, c'est vous pouvez parler. Ok, voilà. Ok. Alors, donc, simplement, j'avais une nouvelle voiture. Ok. Je me suis perdu. Ah, d'accord. Complètement, je n'avais jamais été dans ce coin. Oui. Donc, j'ai demandé pardon à mon père. Ok. Donc, je me suis juste égaré. J'ai appelé plein de gens, mon manager, mon frère, okay. Plein de amis, Gunther, tout ça. Je me suis égaré. Allez, à l'église. Oui. On était dans un embouteillage incroyable sur, comment ça s'appelle, A3. Là. Ok. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ok, merci, ça me rassure. Donc vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes à Paris, je ne pense pas que... Donc, mais bon, vos réponses m'ont rassuré. Merci, M. Kofi. Merci. Mais une fois que la main, merci beaucoup. Une question ? On termine avec le monsieur. On va terminer avec monsieur. Bonjour, confirme le public. Je me présente pour que nous passions la commande révolution. Bonjour. Bon, je crois que les amis ont posé plusieurs questions, mais moi je vais rester sur l'allaitement culturel, en fait, qui a été toujours votre champ de bataille. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, quand vous étiez revenu en Europe, je crois que votre carrière a été bien honorée ici en Europe, est-ce que vous pensez qu'il y a de tels records qui demandent être allaités culturellement par Kofi Olomide ? Il y a des quoi ? De terres, de pays ou de nations. De terres ? Oui. Non, vous savez, tous les jours que Dieu fait, les gens boivent du café, les gens mangent, les gens boivent de l'eau, ils demandent des légumes. Il y a des gens qui demandent chaque jour de la musique des Kofi. C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour faire que tout sous le soleil soit neuf. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit « Rien sous le soleil n'est nouveau ». Vous voyez ? Donc, je suis là pour faire mon travail avec cœur, avec amour. Moi, j'ai, à défaut d'être un musicien pur sang, j'ai la musique dans le sang. Donc, il n'y a pas de confusion. Je veux donner du plaisir. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa,
je ne sais même si ce n'est pas vous, mais beaucoup de gens me disaient, tous les week-ends, il y a dans des cafés, ça vous fait rire, hein? Il y a des cafés à Paris depuis des années, des shows, les gens payent, parce qu'il y a des gens qui interprètent les répertoires de Koffi Olomide. C'est vrai, voilà. Donc je pense quand même les gens ont faim de Tata Mobimba. Mais maintenant, ils vont avoir en plus Papa Nguassouma. Les gens, il faut vraiment l'attendre. C'est vraiment un moment. Je ne sais pas si ce n'est pas l'un des deux ou trois plus grands de mes albums. Mais enfin, vous allez juger vous-même. La différence déjà avec les autres albums, il y a beaucoup de direction. C'est-à-dire, c'est artistiquement, il y a beaucoup de tendances, de coloration. Mais tout a été tchatchoisé, si j'ose dire. Voilà. Blazer, ne parle pas comme ça. Voilà. Oui, d'accord. Donc voilà, mais madame avait une question. J'ai répondu. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Olomide. Madame. Alors, je suis Cathy Crucy de Vox Africa. Je présente une émission qui s'appelle Rendez-vous Paris. Et je dis souvent, si vous ne pouvez pas venir à Paris, c'est Paris qui viendra à vous. Alors, je vous remercie d'être venu à Paris. Merci. On vous attendait, comme disait ma consoeur. Vous avez parlé tout à l'heure de 15 jours de présence ici en France. On peut connaître un peu votre programme et savoir du temps que vous allez rester ici, mettre à profit. J'ai cru comprendre que vous alliez à Cannes et voilà, vous alliez tourner un clip sur place avec Davido. On peut en connaître davantage. C'est-à-dire mon équipe dirigeante me vole mon temps consacré à mes enfants. Après mon père, c'est mes enfants, ma famille. Moi, je suis un marié pratiquant, comme il y a des chrétiens pratiquants. Donc, je suis un vieux jeu. J'aime mes enfants, c'est un vieux truc, mais je les aime vraiment. Maintenant, je voulais me promener, marcher, aller, venir, mais en travaillant, parce que j'aime le travail, j'aime bosser. Un de mes surnoms, c'est l'esclave du travail. Donc, j'allie la famille, le plaisir de la famille, à mon travail. Donc, je vais aller à Cannes pour travailler à Monaco, où je vais aller à Genève. Et puis, j'ai un mariage d'une de mes filles, ma nièce, qui est ma fille. En Afrique, on n'a pas de nièce avec une fille, qui se marie à la fin du mois, donc je serai là. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai plaisir à être là, à me consacrer à mon travail. Je vous ai dit aussi, lundi, je masterise l'album Légende, les titres qui sont prêts, parce qu'il y a deux, trois titres où on va faire des choses encore. Et puis, voilà quoi. Donc, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Merci madame de Vox. Vous voulez un petit temps pour tourner l'émission avant que vous repartez? Oui, pourquoi pas. Vous êtes les deux du Vox? Moi, ça fait quand même. D'accord, il n'y a pas de... Je présente une émission de mode. Du coup, vous êtes un grand sapeur, ça fait plaisir. Non, moi, je ne suis pas un sapeur. Non, moi, chanteur, c'est la même chose. La chanson est éléquence avant. Non, ça va, il n'y a pas de rapport. Ah bon? Oui, on peut être élégant, digeste, séant. Sans être sapeur. Franchement, vos clips, voilà. C'est bon, là, madame. Merci beaucoup. Oui, ça vient bien, mais c'est pas un sapeur. Donc, pour l'émission, il faut voir avec madame Salois, qui est chargée du salaire. Elle est là-bas. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fini. C'est très bien. D'ailleurs, on va aller au marché avec mes enfants, j'ai triché. Je ne leur dis pas. Merci. Merci en tout cas d'être venu. Je pense que je ne vous ai pas, vous n'êtes pas déçu. Ah, il y a une grande dame qui est venue. Oh, bon. Grande dame. Quoi. Bonjour, Koffi Olomide, Monsieur Antoine. Bonjour, Baba. Oui, une dernière question. Je suis Sonia Massela. Je vous pose une question. Vous êtes fait accuser par des femmes. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment vous sentirez près de la femme? Des femmes. Mais attendez. Auprès de femmes, quoi. Comment vous sentirez? Mais depuis l'accusation, j'ai pas arrêté. Parce qu'on a vu dans le vidéo, que... Dans la vidéo. Dans la vidéo. Léo Blérier. Que vous étiez traumatisé. On dirait que vous étiez traumatisé par des femmes. J'étais traumatisé par les femmes. Oui, parce que on a vu une femme qui s'approchait vers vous l'avez rejetée.
Quelle femme? C'est qui ça? C'était une fille. C'est qui? C'était une fille. Elle voulait faire une photo. Non, avec je fais des photos tous les jours. J'étais sur les champs avant de venir ici. Tous les jours, je passe. Voilà, parce qu'on voulait se poser cette question-là. Est-ce qu'elle profite au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est à l'aise avec des femmes comme vous? Je n'ai aucun problème avec les femmes. Moi, je dis toujours que si tous les gilets jaunes étaient des femmes, il n'y aurait pas de casse. Si nos gouvernants étaient des femmes, il y aurait moins de guerre. La femme, il faut lui laisser nos vies. Il faut lui confier le monde. Et le monde sera plus vivable, plus paisible. Je le dis sincèrement, je l'ai toujours dit. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le chanteur des femmes, comme vous savez, l'avocat des femmes, depuis toujours. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à vous d'être venus. On va prendre un petit jus d'orange et puis... Comment? Il y a quand? Vous avez encore? Ah d'accord. Loris, la Comolie. Oui. Bon, c'est les photos, c'est là-bas.